Ça commence bien, je peux déjà pas dire bonjour, comme d'habitude. Quelle bonne idée cette vidéo. Hello! Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le challenge des mots interdits. J'ai eu l'idée de cette vidéo pour faire quelque chose d'assez fun, enfin j'espère, pour le réveillon, voilà, puisque nous sommes aujourd'hui le 31 décembre, donc c'est le jour du réveillon de la nouvelle année, mais je vous dirai bonne année à la fin, voilà. C'est pas encore parti, hein, la vidéo. Donc je vous explique, j'ai eu l'idée de faire une vidéo où je ne peux pas dire les mots que j'utilise le plus. Donc je vous ai demandé lesquels... revenait le plus dans mes vidéos et j'ai eu une liste pas possible, genre j'aurais dû faire une vidéo en musique en fait. Hein. Ça va être assez compliqué pour moi. Donc je vais vous afficher les mots juste ici, je vais les laisser tout le long. Après je vous garantis pas qu'il n'y en a pas qui vont pas sortir sans que je m'en rende compte, puisque c'est des mots que je dis tout le temps sans m'en rendre compte en règle générale. Donc on fera comme si. Hein. Donc déjà il y avait le salut salut. D'où le hello de base. Donc ceux qui sont revenus le plus, c'est le voilà. Ou le donc, voilà. Excusez-moi. Le sympatoche aussi, que je n'aurais pas le droit de dire. Le c'est beau. J'ai pas le droit non plus. Le bisou bisou. Donc vous aurez pas de bisou à la fin. Le sourcil et le ma chérie, bien sûr. Le paillettas. Alors ça c'est dégueulasse parce que paillettas c'est très nouveau. Dans ma bouche, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi, mais c'est très nouveau quand même, ça fait pas hyper longtemps que je le dis. Je le dis souvent, mais ça fait pas longtemps. Donc là, c'est un petit peu de la triche de votre part. Il y a également le c'est joli, que j'ai pas le droit de dire. Le camion, ça va être compliqué. Le j'adore. Et ensuite, des mots qui sont revenus un peu plus, enfin moins souvent. Il y a ch'touille, ch'touille ou chouïa, hein. Le ouh, ça n'est pas le bon but. Ma foi, ça je me suis jamais rendu compte que je disais le ma foi, mais bon, vous l'avez dit. Je l'aime d'amour, beaucoup, beaucoup, d'un petit i, de toute beauté, tous les mots avec la syllabe esque à la fin ou en version espagnole, vous êtes trop gentil. Georges, je n'ai pas le droit de dire Georges. J'aime le vert, vous le savez. Je vais en mettre sous le sourcil ou sous la queue du liner, comme d'habitude. Chelou. Et alors, DJ a ajouté le mot « alors » quand elle est venue boire le café. Quand elle a lu la liste, elle a dit « tu dois ajouter le « alors » parce qu'elle, elle le dit souvent. » Et bien sûr, je n'ai pas le droit de dire toute la fin de ma vidéo habituelle puisque Nicolas et Martim m'ont dit mot pour mot tout mon auto. Merci les gens. Donc, je vous garantis pas que je vais réussir à ne pas dire ces mots-là. Il y en a quelques-uns que je peux potentiellement m'en rendre compte puisque je les utilise un petit peu moins souvent. Les autres, ça va être compliqué quand même. Hein. Surtout, je pense au voilà ou au alors. Ça va être compliqué. Bref. Donc, j'espère que ça vous permettra de passer un bon petit moment. Moi, je sens que je vais galérer ma race. J'ai déjà peur. J'ai déjà peur. Donc, on va dire que c'est parti à partir de maintenant. Donc tous les mots qui sont sur le côté, alors vous voyez mon miroir, oh, je suis trop loin. Voilà, tous les mots qui sont sur mon miroir, sur le côté, j'ai pas le droit de les dire. Je vais essayer du moins, et vous pouvez voir que j'ai changé mon décor. J'ai mis le décor d'hiver déjà, voilà, j'ai enlevé mon petit sapin. Je crois que je vais me dire voilà, n'est-ce pas? Nous allons donc commencer, mais vous voyez encore mon miroir, tant pis. J'ai sorti le petit chapeau. Hein. Nous allons donc commencer par faire mon teint. Donc là, j'ai déjà mis mon fond de teint base anti-cerne et j'ai fait mes poils de yeux. Je vais donc utiliser le Sculpt Glow de chez Focalure pour le bronzer. Je l'adore. Oui, ça j'ai le droit de dire. C'est le j'adore que j'ai pas le droit. Petit contouring classique, hein, vous voyez.
Je ne peux pas y arriver. Quelle idée que j'ai eue. Pourquoi j'ai des idées comme ça? Pourquoi? Je me pourris la vie toute seule. L'avantage, c'est que tout le monde peut reproduire cette vidéo. Pour sur n'importe quelle chaîne, ça fonctionne du coup. Voilà. Je crois que je vais supprimer le... Donc il suffit juste de demander aux abonnés les mots que vous employez le plus et voilà, c'est parti. Oh, je sens que je vais me taper avant la fin de la vidéo. En place, je vais mettre le rocketteur. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et pour les fêtes, il reste cool. Ah, mais ça ne prélève pas bien avec ce pinceau. J'espère en tout cas que vous avez passé des bonnes fêtes et que les vidéos, puisque là, c'est la dernière de l'année, ça y est. C'est officiel, c'est la dernière vidéo de cette année. On attaque 2021, les gens. Oh, c'est passé vite quand même. J'espère que toutes les vidéos cette année vous auront plu. Surtout le calendrier de l'Avent, puisque c'est du boulot, hein, mine de rien. Voilà. Arrêtez de le dire. Je vais essayer de pas trop couper la vidéo, va être super longue, hein, mais c'est la dernière de l'année, on s'en fout. Je vais mettre le petit Opal en version mini de chez Becca en eyeliner que j'ai eu dans le swap avec Manu. Je vais plus oser parler en fait. Et c'est compliqué de ne pas dire des mots que vous usitez régulièrement. Oh, qu'est-ce que j'aime quand j'emploie des grands mots, j'ai l'air intelligente. Ok, je vais mettre ma base, la cut crease canvas, poudrer mon arcade sourcilière et on attaque le make-up. J'avais envie de bleu aujourd'hui et du coup j'ai sorti la Tamiy Tropical Toilet. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisée et on a quand même 4 beaux bleus dedans, donc il y a moyen de moyenner avec. Je vais commencer par un 231 de chez Zoé Vert et la teinte Nightfall. Pour mettre dans mon creux, je vais pas trop me casser la nénette, hein. Dans mon creux, coin externe, aura-t-il. Et voilà. Oh, vous avez remarqué quand même que c'est le mot le plus compliqué pour moi à ne pas dire. Hein. Mais bon, on fait comme si on n'avait rien entendu. D'accord? Hein? Oui, hein. Vous êtes sympa, j'espère. J'ose plus parler. Bon, en même temps, c'est bien parce que ça évitera que je coupe de trop, enfin que je pourrais couper certains passages. Et du coup, ça fera pas une vidéo de 15 heures. On estompe le bord, hein. Évidemment. Il y a des bruits trop étranges chez moi. Oh, c'est dur. Quelle idée de vidéo? Pourquoi j'ai cette idée-là? Je ne sais pas. Vous avez vu, je vous ai épargné le make-up vert encore. Hein, je suis trop gentille avec vous. J'avais vraiment envie de ressortir la Blood Money, mais je me suis dit qu'on allait changer un peu. N'est-ce pas? Dites-moi un peu en commentaire, vous faites quoi, vous, ce soir? Après, je sais qu'en France, du coup... Vous n'avez pas non plus le droit de faire un réveillon de nouvel an. Nous, ce sera tranquille à la maison. Chérie a eu envie de faire une fondue. Donc, je pense que c'est ce qu'on fera. Parce que le jour où on tourne la vidéo, on est le 28. Passons estompeur. Il reste déjà plus beaucoup de vidéos, hein, du calendrier. Enfin, vous, c'est la dernière, mais moi, jour où je tourne la vidéo, il reste celle d'aujourd'hui, donc 28, 29, 30 et 31. 4 vidéos. Oh, c'est passé vite. Trop vite, trop vite, trop vite. Alors, avec le fard que j'ai utilisé, non, je vais peut-être prendre quand même un peu plus fluffy. Je prends celui-ci. Je vais prendre la teinte Down. Donc qui est le fard beige de la palette, mais comme il est assez foncé, ça va me permettre d'estomper un peu mieux le fard bleu.
Comme vous pouvez le constater, nous avons pas mal de véhicules motorisés qui passent sous ma fenêtre en ce moment. Voilà. J'ai encore dit. Je prends pas ce couleur. Et je vais prendre la teinte Océan, qui est la bleue marine lumineuse. Alors, ils sont pas faciles à prélever au pinceau. Et je vais en mettre en coin externe. Ouais, juste en coin externe d'ailleurs. Un petit peu sur le racine, externe aussi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de bleu aujourd'hui. Pareil. Ça change un peu. À la base, c'est le genre de make-up que je voulais faire pour Noël. Et je vous en ai fait un autre. Je vous le remets là. Vous voyez, les mots que j'utilise qu'une fois de temps en temps, c'est plus facile d'y penser. Mais ceux qui sortent en automatisme, c'est un peu plus compliqué. De l'autre côté du pinceau, je vais prendre la teinte Night Sky, qui est un bleu, un peu plus turquoise, comme ça, je ne saurais même pas dire la couleur. Et je le mets donc à la suite. Bon, là, je pense que je vais devoir y aller au doigt. La texture de ces fards est vraiment surprenante. Et on a l'impression qu'ils sont mouillés sur la paupière. Ils sont crémeux, hein, de toute façon. On essaye de bien jongler ici pour la démarcation. Je vais quand même y aller au doigt. Alors oui, j'ai plus d'ongles. J'ai tout enlevé, ça m'a gavé. Et je pense que je vais éviter de les faire pendant un certain temps, là, histoire que mes ongles repoussent bien correctement et tout. Ok. J'aurais pu vous rapprocher un peu plus pour les yeux, non ? C'est bien d'y penser quand t'as fini, cocotte. Voilà. Et je suis coincée. Hein ? C'est quoi qui coince ? On ne sait pas. J'ai un truc qui coince ma chaise. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Et je vais prendre du coup le Starry Nights qui est juste à côté. Qui est trop beau. Ne me demandez pas de vous définir la couleur parce que j'en sais foutre rien. Je suis nulle pour décrire les couleurs. Et c'est pareil, on remet à la suite. Un petit peu légèrement en coin interne, pas trop. Faut vraiment que je réutilise un peu les paillettes là, Firefly. Oh, elles sont trop belles. Voilà, sur ce make-up-ci, ça n'ira totalement pas, on est d'accord. Hein. Mais la prochaine fois que j'utilise cette palette. Vous avez remarqué à quel point j'ose pas parler. Ensuite, je vais prendre les petites paillettes Starlight. Donc, ils sont les argentés. Donc, il y a déjà un agent liant dans ces paillettes-là. Et j'en mets en coin interne. Pas trop. Et j'en prélève un peu au doigt. Et j'en mets juste sur le coin externe. Ça fait festif, hein, puisqu'on est censé être nouvel an ce soir. Voilà, c'est vraiment le. J'en ai parti, voilà, putain. Non, ça me... C'est vraiment le make-up que je voulais faire normalement pour mon Noël, mais finalement j'ai fait l'autre avec le Mixing Liquid parce que je suis tombée en amour de cette couleur bordeaux là. Et comme je devais rester un certain temps chez mon frère jusqu'à la fin du couvre-feu, je me suis dit. Si je dois enlever des paillettes, ça va être un peu chiant. Ok. Je vais quand même faire un trait de liner. Si je le trouve. Enfin, toujours le même. J'arrive au bout. Alors là, vous avez pu me voir parce que
Je fais n'importe quoi. Je suis tellement concentrée sur les mots que je dois pas utiliser que je fais n'importe quoi pour le make-up. Tant pis. J'ai même pas mis mon crayon. Tadam. Trop beau. Alors, crayon noir en muqueuse supérieure. Et c'est là que je me rends compte que je dis beaucoup le mot alourdie. Hein. Hein. Crayon bleu des Make-up Obsession pour la muqueuse inférieure. On est pas mal. Petit coup de recourbe-cils. J'ai l'impression que du coup la vidéo est super chiante. J'ose pas parler. Mascara, donc je vais utiliser celui de Unique, là que j'avais eu dans le swap, dans le calendrier de l'Avent de Lady Muse. J'ai testé tous les trucs, c'était quand? Il y a deux jours? Ouais, c'était il y a deux jours. Je m'en fiche. Oh, j'ai mon liner qui a transféré au-dessus. Chérie! Sur les lèvres, bonne question. Eh ben, je vais mettre le Trifle de chez Sugarpill. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça pue la mort, ce truc. Je ne supporte pas l'odeur, mais il est très beau. Oui. Il est très sec et très pâteux. Je me demande s'il n'est pas foutu. Peut-être le ranger un peu à l'envers pour qu'il se remélange un coup. Je vous montre tout de suite de plus près ce que ça donne. Et je vous retrouve juste après. Donc j'espère que ce make-up vous aura plu, voilà, dites-moi ça en commentaire. J'ai un choix dans la gorge. Donc je n'ai pas le droit de faire toute ma fin de vidéo, donc n'hésitez pas à faire ce qui s'affiche à l'écran. Voilà. Oh merde, voilà, j'avais pas le droit non plus. C'est très compliqué, très compliqué. Très compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Avant toute chose, j'espère que vous allez passer un superbe réveillon, même si on est en comité très restreint. Mais le principal, c'est d'être avec les gens qu'on aime et de savoir que les gens qu'on aime sont en sécurité chez eux et en bonne santé. Donc j'espère que vraiment que votre réveillon sera merveilleux, calme, mais merveilleux. Et je vous souhaite d'avance une très belle année 2021. On ne sait pas trop ce qui va en être de cette année avec ce foutu virus, mais... faisons attraction de ça, c'est qu'un mauvais moment à passer. Véhicule motorisé à 4 roues, très gros, voyez. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, ça finira bien par se calmer et s'arrêter. Donc restez positifs les gens, pensez aux gens que vous aimez surtout. C'est le plus important, le principal c'est qu'ils soient tous en bonne santé. Je réfléchis s'il y a autre chose que je voulais vous dire. Comme ça, après, je peux réfléchir à comment je vais vous le dire. Notre calendrier de l'Avent et des comptes de la nouvelle année est donc maintenant terminé. Ouais, c'est passé très vite. Hein. Je vous remets toute la playlist là, si vous voulez avoir celle que vous avez ratée. On se retrouve logiquement pour un chit-chat make-up et on va tester mes cadeaux de Noël. Voilà. Mercredi. Ah, cette fois-ci, c'était un bus. J'essaie de me concentrer à comment vous dire les choses sans dire les mots, parce que je crois que j'en ai déjà dit pas mal. Hein. S'il y en a qui ont envie de reproduire ce challenge, je ne sais pas si ça existe déjà. Hein. En principe, si je trouve le challenge sur une autre chaîne, je le dis. Là, j'ai pas cherché non plus, à vrai dire, mais j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, tiens, je voulais vous la faire pour l'année prochaine. Et Manon qui me dit, non, non, fais-le pour le 31, ça va être trop drôle. J'ai pas l'impression que c'est super drôle. J'ai pas l'impression que c'est super pas chiant du tout comme vidéo. Parce que je crois que je me suis beaucoup trop concentrée. Je ne sais pas. Je verrai ça au montage et je verrai ça avec vos commentaires. Dites-moi si vous avez aimé. Hein.
Et voilà, si vous voulez... Si vous voulez reproduire ce challenge, ben n'hésitez pas à me taguer si vous le faites. Demandez à vos abonnés quels sont les mots que vous usitez le plus souvent dans vos vidéos. Et après, c'est assez compliqué de tourner une vidéo. Hein. Je vous le dis, il faut vraiment se concentrer. Limite, tu vas avoir une crise de migraine. Rien que tellement, je me serais concentrée à trouver des mots autres que ceux que j'utilise d'habitude. Je remercie tous ceux qui, toutes ceux et toutes celles qui m'ont donné des mots. Alors, j'avais fait les stickers sur Insta, j'avais fait un post dans l'onglet communauté et j'en avais parlé dans une vidéo aussi. Donc, j'avais vraiment une très grosse liste. C'est vrai que j'aurais dû me limiter à Insta, ça aurait été peut-être un peu plus facile. Mais voilà. Il y en a un que vous avez oublié aussi. J'ai encore dit voilà, non ? Il y en a un que vous avez. Que moi, je sais que je dis très souvent parce que je le vois au montage, mais que vous n'avez pas pensé à dire, c'est bref. Ça, je le dis souvent, il me semble, aussi. Enfin, bref. Voilà. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire la fin, je ne peux pas vous embrasser comme à mon habitude à la fin de cette vidéo. Donc, je vais juste conclure en vous souhaitant une très belle année 2021 et une bonne santé. Tout ce que vous souhaitez. Voilà, meilleurs vœux pour toute l'année à venir et à très vite.